Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Alexis Mbakop. Lorsque je dis à mes proches que je suis super endetté, que j'ai un encours de crédit de 2 millions d'euros et que j'ai à peu près 23 locataires, ils me disent waouh, Alexis, tu prends des risques. Et si les locataires ne payaient pas? Je me dis toi, maintenant que je te dis que je suis super endetté, quelle est ta réaction? Est-ce que tu crains pour moi? Est-ce que tu as peur pour moi? Dans cette vidéo, je veux t'expliquer pourquoi en immobilier j'investis les yeux fermés. Ça y est, tu peux ouvrir tes yeux, cher diasporaphile. Je suis Alexis Mbakop. Si tu ne me connais pas encore, sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques et les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques, pour que la diaspora soit la plus forte possible partout là où elle se trouve. Nous sommes forts ici. Aujourd'hui, je voudrais t'apporter rapidement dans cette capsule quelques raisons pour lesquelles en immobilier, j'investis les yeux fermés. Alors, donc comme je disais en introduction, lorsque je dis à mes proches que je suis super endetté, que j'ai 23 locataires, tout de suite, la réaction de ceux-ci se dit « Ah, et ben si les locataires ne payaient pas ?» Et ben là, je veux déconstruire, en fait, te décomplexer par rapport à cette fausse croyance, à cette croyance limitante qui est de penser et de croire que si on achète un appartement, on risque d'avoir des locataires qui ne payent pas. Pourquoi? Parce qu'en France, où je suis, les défauts de paiement sont de 3%. Donc en 2021, où je fais cette vidéo, les défauts de paiement des locataires en France est de 3%. Ça veut dire que 97% des locataires payent régulièrement leur loyer et n'ont zéro défaut de paiement. Alors, j'ai une question pour toi. Si on te disait que tu as un business dans lequel tu as 97% de réussite, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu te lancerais? Donc, voilà la première raison pour laquelle en immobilier, moi, j'y vais les yeux fermés. Donc, et tu pourras le voir. Est-ce que toi, tu payes un loyer aujourd'hui? Est-ce que tu es en défaut dans tes paiements de loyer? Je ne pense pas. Je pense que tu payes régulièrement tes loyers. Tu es assidu à tes loyers, puisque le loyer est le premier poste de dépense des ménages et des personnes en France. Donc, chacun est sérieux avec son loyer. Donc, puisque tu payes ton loyer, bah, les voisins payent leur loyer, tout le monde paye son loyer. Donc, si tu achetais un bien et que tu le mettais en location, bah, les locataires paieront leur loyer. Donc, tu as toutes les chances de ton côté pour que ton projet immobilier fonctionne. La deuxième raison pour laquelle en immobilier, j'investis les yeux fermés également, c'est que même si les locataires ne payaient pas, moi, lorsque je mets en location un appartement, selon le profil du locataire, je vais souscrire ou pas à la garantie locative. La garantie locative, c'est une assurance qui me permet d'assurer les défauts de loyer. C'est-à-dire que s'il advenait que les loyers n'étaient pas versés, le temps que je sollicite la caution et les garants de mon locataire, ben j'ai les mensualités qui continuent à être payées par l'assurance. Et ceci dit, pour même arriver à un locataire qui ne paye pas, ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise sélection du locataire. Alors que moi, lorsque j'investis en immobilier, je prédéfinis quel est le profil type de mes locataires. Je ne loue pas à n'importe qui, je ne loue pas au premier arrivé, je ne loue pas parce que c'est une urgence de louer mon bien. Je loue lorsque je trouve le profil que j'ai prédéfini avant pour attribuer le bien en location. Donc pour ces deux raisons déjà, je peux vous assurer qu'en immobilier, j'investis les yeux fermés. La troisième raison pour laquelle j'investis en immobilier les yeux fermés, eh ben c'est que l'immobilier est de loin, alors de loin le projet, l'investissement le plus sûr, le plus stable et le plus simple à mettre en œuvre. Aujourd'hui, les principaux piliers d'enrichissement sont l'e-commerce, le digital, l'infoprenariat et l'immobilier. Et puis les investissements classiques dans des entreprises physiques réelles. Donc quand on veut comparer l'immobilier
l'e-commerce, le digital, le web dans son ensemble, ça demande un peu des compétences techniques, des connaissances pour pouvoir se lancer, alors qu'en immobilier, il suffit simplement d'avoir une capacité d'emprunt, d'avoir une possibilité de lever un crédit, donc de pouvoir avoir un crédit en banque, et puis c'est parti. Tout le monde a vu faire, tout le monde a déjà vu le process d'immobilier se mettre en place, dans le sens qu'on a déjà été locataire ou propriétaire, on a déjà eu à vivre un loyer, mais tout le monde n'a jamais vendu en ligne, tout le monde n'a jamais été e-commerçant en ligne, donc ça demande plus de connaissances, ça demande plus de formation, ça demande plus de capacité pour mettre en place un business en ligne, un business en e-commerce ou un business digital. Alors qu'en immobilier, les choses sont plus simples, les choses sont plus accessibles et ça coûte vachement plus moins cher d'investir en immobilier qu'en e-commerce. En immobilier, vous pouvez réaliser des opérations qui vous coûte quasiment rien, dans le sens où vous n'avez que les frais de dossier à payer à la banque et la banque finance à 110%, alors que dans les autres business comme l'e-commerce, vous devez apporter les fonds, acheter les produits et trouver comment les écouler. Et même en dropshipping où vous n'avez pas de stock à faire, ben, il faut quand même trouver, il faut quand même avoir les capacités de mettre en place votre chaîne de vente. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc clairement, pour moi, l'immobilier reste le premier pilier fort, stable d'enrichissement et accessible à un plus grand nombre. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec toi dans cette capsule, les trois raisons pour lesquelles j'investis avec les yeux fermés en immobilier. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu es investisseur, pour quelles raisons tu investis. Est-ce que c'est quelque chose de simple à mettre en place? Est-ce que tu es d'accord avec moi que l'immobilier est accessible à un grand nombre? Et si oui, pourquoi toi tu ne te lances pas? Pourquoi tu n'es pas encore lancé en immobilier? Dis-moi en commentaire, je me ferai le plaisir de te répondre. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, active les notifications. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. We'll be right back.